C'est Santago13, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et chers enfants, aujourd'hui nous sommes le 1er décembre. Et qu'est-ce que c'est le 1er décembre? Eh bien c'est l'ouverture de la première case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Et oui, nous allons ouvrir aujourd'hui une nouvelle série et une nouvelle case de notre calendrier. Je vous présente donc le premier épisode de la série d'ouverture du calendrier, pardon, de l'Avent Lego Star Wars. Que nous ouvrirons ensemble le jeudi et le lundi à 16h30, comme d'habitude lorsque je poste des vidéos. Donc, ce qui fait que le lundi, j'ouvrirai les cases, je vous montrerai du moins ce qu'on a eu dans les cases du vendredi, du samedi, du dimanche et du lundi. Et le jeudi, je vous montrerai ce qu'on a eu dans les cases du mardi, du mercredi et du jeudi. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu pour le Papa Noël. Et avant de commencer à ouvrir cette première case, hein, aujourd'hui épisode spécial puisque nous ouvrons donc la première, je voulais juste faire un petit tour d'horizon sur la boîte du calendrier de l'Avent, donc la boîte numéro 75146. Dont j'ai pris quelques photos pour vous montrer, puisque nous allons essayer de deviner ensemble ce que contient cette boîte. Alors, il faut savoir que les photos donc des petites figurines ou des petits vaisseaux que contient le calendrier sont sorties sur internet, mais je ne suis pas allé les voir. Je veux me garder une surprise, puisque c'est le but du calendrier de l'Avent, c'est d'avoir des surprises. Même si sur la boîte on peut déjà deviner quelques petits indices. Alors déjà nous allons commencer donc par l'endroit où on ouvre les cases. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un magnifique palais et nous voyons aussi des petites huttes et une partie enneigée, une partie un peu sableuse, une partie terre rouge. En tout cas vous voyez tout ça à votre écran. Et qu'est-ce que l'on peut bien penser de ces choses? Eh bien déjà, dans la partie neigeuse, on voit la tête de Chewbacca en glace. Donc on suppose que Chewbacca sera le personnage spécial de cette année. Vous le savez, il y a 2 ans, ou l'année dernière, je ne sais plus, c'était Dark Vador, il y a eu C-3PO Noël, il y a eu Yoda Noël. Là, je suppose que ça va être un Chewbacca. Enfin, je ne suppose même pas, je suis sûr que ça va être un Chewbacca blanc, un Chewbacca neige. Donc voilà, ça sera cool. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Nous voyons des walkers, peut-être que nous aurons des walkers, je suppose qu'on aura des snowtroopers comme tous les ans. Enfin ils sont aussi sur la boîte, je ne vous ai pas pris de photos d'avant de la boîte puisque j'ai complètement réussi à prendre une bonne photo puisque la boîte est un peu trop brillante sur le dessus, mais vous pouvez les voir sur internet, je vais vous en mettre une. Allez, je suis un même sympa, je vais vous mettre une petite photo de cette avant de boîte. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un C3PO gris, bon, on voit une unité C3 en tout cas, on voit des droïdes, on voit des gardes de Bespin, donc on aura plusieurs personnages, un Luke Skywalker aussi on aura, enfin bref, beaucoup de personnages, et donc ça risque d'être très 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 intéressant les enfants. Alors, bien évidemment, sans plus tarder, nous allons commencer, nous allons ouvrir la première case, et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons le vaisseau de Booba Fett, le vaisseau dont je me rappelle jamais le nom, c'est quand même fou, genre c'est pas possible, pourtant je l'avais il y a 5 secondes et il vient de se barrer en courant. Ce vaisseau s'appelle le Slave One, bien évidemment. Voilà, je l'ai retrouvé, hein, c'est complètement banal, le Slave One, voilà, non mais c'est juste qu'il fallait que je m'y remette. Donc, le Slave One qui est la première ouverture, enfin la première surprise de cette ouverture, et un Slave One qui est plutôt sympathique. Petite remarque qu'on pourrait faire dessus, il manque peut-être un peu de détails, mais sinon, j'aime beaucoup les formes, j'aime beaucoup les courbes. Petit vaisseau, donc comme on en avait l'habitude, en tout cas assez sympathique, que je vais ajouter donc dans ma collection de mini-vaisseaux.
Ah bien évidemment, puisque je garde tous les petits vestos du calendrier, je ne les détruis pas, je les garde, c'est très joli, ça peut faire un peu de décoration, il ne faut pas se mentir, hein, chers enfants. Donc voilà, un Slave One tout à fait sympathique, rapide à monter. Alors je ne vous mettrai pas les buildings, puisque ça n'apporte pas grand chose, je vous montrerai juste 2-3 images de la bête, et puis on se quittera là-dessus. Donc voilà, d'ailleurs on va se quitter là-dessus, hein. En tout cas j'espère que ce petit concept va vous plaire, donc de review de ce qu'on a dans le calendrier Lego Star Wars pour tous ceux qui n'ont pas l'occasion de pouvoir l'ouvrir, je l'ouvrirai avec eux. Donc voilà, je vous montrerai ce qu'on gagne dedans. Et bien évidemment, cette vidéo prendra fin le 24 décembre avec la dernière ouverture du calendrier. En tout cas voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne de Santa Gotres pour encore plus de vidéos d'opening de calendrier. En tout cas, moi, chers amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à Noël. Ciao, 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 ho, ho, ho.